Bonjour à toutes et à tous. On organise aujourd'hui un très très beau concours qui est la finale du championnat de France du chou farci. Et la première édition. Et donc ça se passe juste à côté dans l'oratoire BP Charcutier. Et on a profité de cette occasion pour avoir un petit temps d'échange avec vous et le jury qui est exceptionnel aujourd'hui sur ce concours. En face de vous, messieurs, vous avez des CAP charcutiers qu'on appelle donc Connex, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu un diplôme, qui viennent se former au métier de la charcuterie. On a aussi des cuisiniers, à la fois des adultes en reconversion et des cuisiniers aussi Connex, donc plutôt des jeunes. Et enfin, on a aussi une classe de pâtis, parce que c'est prog. On est l'école historique et nationale de la charcuterie et traiteur, mais on forme aussi beaucoup de pâtissiers, de cuisiniers, de boulangers, de bouchers et des pizzaïolos. Voilà. En face de vous, en commençant par la droite, vous avez monsieur Guy Krenzer, ancien du CEPROC, meuf charcutier traiteur et meuf cuisine. Pardon. Voilà, et qui est chef exécutif. Directeur de la création chez Le Nôtre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Monsieur Métivier, ancien du CEPROC. Ancien du CEPROC, ouais. Charcutier pas né, hein. Charcutier. Tout à fait. Traiteur. Charcutier traiteur, ouais. J'ai officié 42 ans à Maison Le Nôtre aussi. 37 ans en production, responsable production charcuterie. Et 5 ans responsable des achats matières sur un gisou. Monsieur Stéphane Devac est champion du monde de batter en croûte. Champion du monde de en croûte en 2010. Voilà. Moi, c'est Stéphane Devac. Je suis la direction de Maxime Traiteur, ouais. Pour l'événement, ce depuis 33 ans. Et alors vous n'avez pas été formé au CEPROC? Je viens de Médéric, moi. Donc j'anime une petite cuisine avec 200 collaborateurs qui fait à peu près 150 livraisons, réception tous les jours. Donc bon, c'est un métier que je connais bien, voilà. Passionné, bien évidemment. Deux concours, deux choux et deux gastronomies. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Ok. Et puis Norbert Tarler, ouais. Ancien du CEPROC. Ouais. Il l'a fait, l'école. Comment on peut vous présenter cuisinier. Je sais pas, mais puis quand même, j'ai touché à tout depuis cette époque. Déjà, cette époque, ça m'a donné de la rigueur. Énormément de rigueur. Et après, oui, j'ai commencé autodidacte dans la cuisine. J'ai pu faire en boulangerie, en pâtisserie, traiteur, j'aime beaucoup aussi. En fait, tout ce qui touche à la nourriture, c'est passionnant. Donc voilà, et je trouve que pour moi, les charcutiers traiteurs, c'est le cousin de la cuisine et les autres métiers, on est dans la possibilité, la pâte feuilletée, aussi bien la boucherie, la poissonnerie. Donc je trouve que c'est un métier qui est très complémentaire aux autres. Et puis voilà, et puis après, bah, je suis associé dans les bistrots à Paris en banlieue, avec une boulangerie pâtisserie. Et puis après, bah, moi je suis un électron libre. Je vais là où on m'appelle, là où il y a de la cuisine, là où ça sent bon. Et je suis très content d'être là avec des grands chefs. Champion du monde de pâtes et croûtes, il faudrait que je vienne voir M. Tillet, parce que ça m'intéresserait. voilà. Et donc, en fait, c'est le côté traditionnel de la cuisine française dans sa splendeur, c'est quand je suis tout petit, traiteur, boucherie. Et en fait, c'est le chou farci, pour moi, c'est une tradition que j'aimerais qu'on garde et qu'on mette au devant de la scène, parce que genre, la cuisine et tous les arts ont évolué, mais on a des fois un peu. On met en retrait un peu nos classiques. Et moi, j'aimerais bien qu'on mette en avant, donc c'est pour ça que je suis là avec Stéphane et tous les autres chefs. Voilà. Super. Alors l'idée, c'est que vous puissiez leur poser des questions, échanger avec eux, parce que moi, je peux mener la discussion pendant des heures, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Pensez déjà à une première question. Moi, je vais juste en poser une pour lancer les choses. Est-ce que justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, oui. C'est pas un peu dépassé la différence entre charcuterie, cuisine, pâtisserie, et qu'en fait, on peut très bien. Enfin, il n'y a pas de différence fondamentale entre un très beau pâté et un très beau gâteau, et que finalement, tout ça, c'est de la gastronomie, du plaisir, et que nous, au maximum ici,
En fait, on a des parcours où justement, on va passer un an à se former au métier de la cuisine, puis après à la charcuterie, puis après à la pâtisserie, puis après à la boulangerie. Et qu'en fait, l'avenir de ces métiers, c'est un peu ça, c'est-à-dire cette pluridisciplinarité. Monsieur Prinzer, vous en êtes l'exemple type, puisque vous avez excellé autant en charcuterie qu'en cuisine, et je pense en pâtisserie aussi. Ça vous inspire cette question ? Il y a plusieurs questions. Déjà, c'est effectivement on a la chance d'être au CEPROC. Déjà, merci. Au-delà de ça, juste pour imager, en tout cas, quand j'ai voulu commencer ce métier-là, je ne savais pas ce que je voulais faire. En fait, mon frère m'a acheté un livre, ça commençait par astronaute. Donc, j'ai voulu faire astronaute, mais c'était un peu plus compliqué. En fait, je suis rentré dans ce ou ces métiers par hasard. Et en fait, c'est plutôt l'esprit de famille, l'esprit de transmission. En fait, quand vous arrivez chez un patron, aujourd'hui, chez un employeur, et qu'en fait, à quelque part, vous avez la notion d'apprendre, d'apprentissage, et qu'il y a cette petite bulle familiale, puisque on peut avoir du plaisir, mais bizarrement, c'est aussi cette fameuse transmission qu'il y a entre l'élève et le patron ou sa famille, parce que le lien, on travaille à quelque part pour une famille, on est tout petit. Et d'un seul coup, ce métier-là, souvent je l'ai dit, c'était très difficile, mais vraiment très difficile, parce qu'en fait, pas issu du métier, d'un seul coup, vous rentrez dans un des métiers. Et vous êtes complètement perdu, y compris peut-être votre famille. Et en fait, le remplacement, c'est la famille, justement, dans laquelle vous travaillez. Et je crois que, puisque c'est aussi, c'est beaucoup de travail, mais en fait, d'un seul coup, si il y a une phrase de Stendhal, c'est « La vocation, c'est le bonheur d'avoir pour métier sa passion. » D'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, vous allez avoir justement cette phrase qui peut vous arriver droit au cœur. Et c'est grâce à justement cet entourage. Et qu'on soit petit ou grand, qu'on soit à l'école ou qu'on soit chez un employeur, d'un seul coup, il y a un déclic qui se passe. Et le déclic, il va être de vous-même, de votre famille, qu'elle soit maternelle, paternelle, ou qu'elle soit de l'employeur. Et à partir de là, en fait, tout s'enclenche. Et je crois, c'était la question, entre charcutier, cuisinier, pâtissier, voilà, on fait partie d'une corporation, les charcutiers font de la pâtisserie ou de la cuisine. Les pâtissiers, à l'époque, je crois que ça date déjà de Charlemagne, en fait, avaient le droit de faire des pâtés de viande, on appelait ça. Et après, les charcutiers sont arrivés. Enfin, là, il y a toute cette histoire, il y a eu des évolutions au fil du temps. Et tout à l'heure, vous allez voir Armand Dequelé. Bon, Armand Dequelé, il fait autant de la pâtisserie exceptionnelle que de la charcuterie exceptionnelle, et dans un restaurant. Voilà, on fait tout. Je crois que c'est plutôt la sensibilité de chacun, avec qui on le fait, comment on le fait. En tout cas, je vous souhaite d'avoir, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, un esprit de famille. Et puis si on le fait avec le cœur, grâce à cette famille, bah, d'un seul coup, on le vit un peu mieux, avec passion. Et c'est, voilà, c'est juste, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, si on le fait avec plaisir, amour et autres, vous allez peut-être le faire pendant 40 ou 50 ans. Donc je vous souhaite que ça se passe évidemment avec beaucoup de bonheur, voilà, et de bienveillance. Merci. Avez-vous des questions? Allez, faut se lancer. Ouais, je vais. Comme dans beaucoup de métiers artisanaux, vous avez beaucoup d'adultes. Vous avez des gens de tout âge. Moi, la question, en fait, c'est un peu plus. C'est personnel et spécifique. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui, justement, décide de se réorienter dans un métier aussi qui vise l'excellence dans la cuisine, après un âge de 23, 24, 25, où il y a, tout va être approuvé est-ce que les perspectives d'évolution sont les mêmes? Quels sont les obstacles, justement, par rapport à ce. Des personnes justement qui sont très présentes dans ces métiers-là aussi, des gens qui ont une passion depuis très longtemps et qui n'ont pas osé y aller plus jeune et qui aujourd'hui
ce qu'on appellerait le temps. Et forcément, on a besoin de temps pour faire le métier qu'on fait, donc c'est clair qu'on peut être en décalé. En charcuterie, moi je commence à 6h du matin, en cuisine je commence à 8h, mais je finis plus tard. En boulangerie-pâtisserie, on commence à 1h, 4h pour les pâtissiers, vous voyez, on a un décalage horaire énorme. Quand les autres travaillent, vous travaillez, quand ils sont en vacances, vous travaillez, en week-end, vous travaillez. Ça, on a 23, 24 ans, qu'on a déjà fait sa vie d'avant, on n'est pas forcément habitué. Donc c'est quelque chose qu'il faudra intégrer, et puis même vos cercles d'amis, votre vie. Tout ne va pas rester insensible. Moi, j'ai embauché, j'embauche encore des gens qui sont en reconversion. Et c'est des étapes qui sont un peu dures. Parce que forcément, on a un autre style de vie. Je rejoins le chef, il disait, c'est une grande famille. Et quand on est dedans, on est bien parce que tout le monde se comprend. L'agriculteur, le pêcheur, aussi bien le vignoble, aussi bien ton copain cuisinier ou traiteur ou boulanger. Parce que là-dedans, on est dans une osmose, on est bien. On est vraiment, on est un peu à part, c'est vrai, on est un peu dans une ville à part. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Et le plus dur, on va dire, c'est un peu l'intégration dans cet univers. Une fois qu'on est dedans, on est bien. Moi, je suis souvent en cuisine, c'est un peu comme une mode coco. C'est dur à rentrer, mais une fois qu'on est dedans, on est bien. C'est très dur à rentrer, mais une fois qu'on est dedans, on est bien. Après, il faut voir ce métier. Je rejoins le chef. Moi, je suis autodidacte dans la cuisine. J'ai fait une formation de CEPROC. J'adore la boulangerie. Pendant le Covid, j'ai fait de la boulangerie et de la pâtisserie. Je ne connaissais pas trop cet univers-là par les émissions, mais là, je me suis imprégné. Chaque métier a son style de vie totalement différent, décalé. Mais produire de ses mains une matière vivante qu'on nous donne, une matière qui nous a été transmise par un agriculteur, un fermier, et de l'absolu de devoir déguster par des gens, des fois qui ne nous connaissent même pas, qui ne nous voient pas, qui ne savent pas qui. Ben, je trouve ça, c'est pour moi, c'est de l'art vivant, une transmission. Et surtout, à 42 ans, j'étais à prendre de la boulangerie par un jeune qui avait 18 ans, et qui m'a appris à faire un tour, à faire une papier feuilletée, faire du pain. En fait, c'est aussi de l'humilité, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'humilité. À partir du moment où vous avez compris l'humilité, apprendre, c'est aussi comprendre, c'est poser des questions, pourquoi, et aussi accepter des fois les personnalités qui nous entourent. Moi, j'ai des chefs très très durs, mais je leur remercie parce qu'ils m'ont donné de la rigueur. Voilà. On n'est pas assez, tout le monde a attribué nos métiers à des choses. Mais c'est l'armée, pour moi, je trouve que d'apprendre avec des gens qui nous donnent une rigueur, c'est la garder à vie, c'est l'éducation, et voilà. Pour compléter la question, nous, c'est massif dans l'apprentissage aujourd'hui. Les gens, entre guillemets, les jeunes, s'interdisent. Ouais. Est-ce que la société leur interdit, bien souvent, à 16 ou 17 ans de choisir un métier, ouais. Et que c'est faut aller jusqu'au bac, il faut faire des études sans forcément se poser la question soit de sa passion, soit de son projet professionnel. Moi, ce que je pense, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est que c'est très intéressant ce profil, entre guillemets, de jeunes qui se reconvertissent avant même d'avoir commencé à travailler. Parce qu'ils amènent aussi beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de compétences acquises avant, quand on a fait de la com, du droit, des RH ou je ne sais quoi. Quand on va devenir cuisinier, pâtissier, on débute dans le métier, mais on amène quand même cette maturité et ces expériences. Ça, vous le voyez ça aussi, vous Je veux bien répondre à une question parce que j'ai un fils qui a 24 ans. Et en fait, il a fait une petite thèse sur la notion du plaisir. Et en fait, la notion du plaisir, enfin, entre autres, c'est la perte de la notion du temps. Alors, vous allez au cinéma, on ne sait pas pourquoi, le film, il n'y a rien qui se passe, c'est très long, j'ai payé mon entrée, je suis déçu. Ou je peux sortir du cinéma, et d'un seul coup, oh, le film est déjà fini, j'étais dans une bulle, dans un monde, et c'est cette perte de notion du temps. Dans nos métiers, effectivement, on peut s'imaginer que c'est difficile puisqu'on est debout toute la journée. On le voit tout à l'heure, on a des candidats qui travaillent avec des couteaux, de la chaleur, même si c'est bienveillant avec toute la sécurité. Et en fait, cette notion de plaisir, si je peux me permettre, c'est aussi de la cultiver. C'est-à-dire que elle se cherche, on doit la prendre à quelque part. Mais en fait, nos mamans, déjà avant nous, nos papas font la cuisine du matin au soir, ou nous élèvent. Donc à quelque part, c'est plutôt tout simplement, si j'arrive dans cette famille, en tout cas de ce qui a été dit, à prendre, encore une fois, ce plaisir, d'un seul coup, que je parle à 8h, 12h, ou un peu plus, ou un peu moins, ça n'aura pas d'importance. Il vaut mieux, dans la reconversion, si je peux me permettre pour répondre à la question très directement, vaut mieux prendre du plaisir
dans ce que vous avez envie, de ce que vous allez choisir, que peut-être pendant 12 heures être assis derrière un ordinateur, et en fin de compte, enfin, je ne sais pas, il y a à quelque part quelque chose que je perds ou que je ne peux pas faire. Mon père a fait tous les métiers, ouais. on se connaît nous par cœur. Ce qu'il y a d'exceptionnel, pourquoi la cuisine, la pâtisserie, les bouches sont beaux, ben, en une heure, ou en 10 minutes, ou en 3 minutes, je peux faire un plat, une entrée, et donc j'ai créé quelque chose. Oui, dans les codes ou pas. Mais j'ai créé quelque chose et je vais le partager. Et je peux matérialiser. En 10 minutes. Je peux matérialiser. Exactement, je fais une tartine. C'est tout simple. Voilà, le pain est magnifique, croustillant, j'ai pas besoin de grand chose, je le mange. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose. On appelle ça la réminiscence. Ça date de Léonard de Vinci, c'est la Madeleine de Proust. D'un seul coup, ça va vous rester toute votre vie. Et bah, profitons-en. Juste pour clore, peut-être pas pour clore, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Vous êtes dans une pépinière, j'appelle ça une pépinière, vous avez de la chance, sur le marché, il manque de petites pousses. Tout le monde cherche du personnel, vous êtes dans des métiers, pâtissiers, charcutiers, cuisiniers, où ils sont en manque cruel de personnel. Vivez votre passion, pâtisserie, charcuterie, autre chose, pas de, ou cuisine, vivez votre passion. 42 ans, j'ai passé chez le nôtre, j'ai toujours été avec le sourire. Toujours avec le sourire, et ça, c'est votre bonheur. Vous gardez. Nous, on reste en place, il y a une autre partie du jury qui va venir. Bonne continuation. Au revoir, mesdames, messieurs. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, seconde partie de nos invités du jury du jour. Donc, en face de vous, messieurs, vous avez des jeunes apprentis, des CAP charcutiers, traiteurs. Vous avez des CAP cuisine et vous avez des gens qui sont des adultes en reconversion en cuisine, ainsi que des mentions complémentaires pâtisseries. Voilà. En face de vous, vous avez quatre personnes assez exceptionnelles et qu'on est très heureux d'accueillir au CEPROC aujourd'hui. À commencer par Pascal Joly, qui est un peu le régional de l'étal, puisque Pascal il est président des charcutiers traiteurs parisiens. Il vient souvent au CEPROC, c'est pour nous un appui extraordinaire. Dès qu'on a besoin, Pascal il vient. Il vient aider nos jeunes à s'entraîner pour quand il y a des concours. Il vient nous donner un coup de main pour tout ce qu'on a, ce dont on a besoin. Donc Pascal, c'est vraiment la valeur sûre de chez Valeur Sûre. Et par ailleurs, il a une boutique extraordinaire dans le 15e arrondissement. Fabrice Prochasson, aussi très lié avec le CEPROC, parce que tu viens souvent, soit lors des concours, que ce soit le MAF ou autre. C'est sur France ASSCC. Voilà, absolument. Ouais. Fabrice, toi, tu es président de l'Académie culinaire, qui fédère un peu tous les métiers de la gastronomie et MOF cuisine. Arnaud Donquiel, qui est un chef 3 étoiles, doublement 3 étoiles, qui est lié au CEPROC d'une certaine manière, puisque son papa enseignait au CEPROC et ses parents étaient donc charcutiers traiteurs. Voilà. Et puis monsieur Hubert, qui est journaliste culinaire chez France Info, ravi de vous accueillir au CEPROC. Alors l'idée c'est pareil, c'est qu'on puisse leur poser toutes les questions que vous voulez. Moi j'ai une première question à vous poser. Pascal, monsieur Blanquel, monsieur Prochasson, l'apprentissage des jeunes, c'est quoi le message moi je sais que Pascal, que tu joues à fond au jeu d'apprentissage, monsieur Blanquel, je ne sais pas, vous me le direz. C'est quoi le message que vous auriez à dire à des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui apprennent un de ces métiers? Déjà, moi, de mon point de vue, c'est l'apprentissage, c'est la voie d'excellence, c'est un ascenseur social.
C'est aussi dans les métiers d'alimentaire une possibilité de s'élever, de pouvoir devenir, d'apprendre, hein, bien sûr, mais quand on a, on se sent la sécurité, la force de devenir chef d'entreprise. C'est une ouverture, l'apprentissage sur un monde, hein, et aussi c'est une façon aussi de construire sa vie. C'est une vision de la vie aussi, hein, parce que voilà, si on devient chef d'entreprise, on n'a pas tout à fait la même vie que tout le monde. Mais c'est aussi transmettre des valeurs. Déjà, il faut les avoir, les valeurs, pour pouvoir les transmettre. Mais au-delà de ça, une fois qu'on... c'est la transmission des valeurs, c'est voilà, l'amour d'un métier. Voilà. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'avoir une passion et surtout un beau métier. Oui. Apprentissage, pour moi, je crois que c'est une expérience à la française, je dirais. Aujourd'hui, donc, elle est regardée par beaucoup d'États et de continents. Parce que pour citer la France, un exemple. Les États-Unis aujourd'hui, Biden entre autres, avant aussi, ils avaient décidé de façon de créer un apprentissage aux États-Unis. L'apprentissage n'existait pas aux États-Unis. C'était plus grandes écoles, plus de 5, 10, 20, 50 des fois. Enfin, des grands artistes, on va dire, de informatique et autres, du businessman, qui était pas. Mais aujourd'hui, je pense que le modèle français d'apprentissage a été reconnu dans le monde entier et on s'en sert. Donc, je pense qu'en France, il faut continuer, il faut cultiver. Pour vous, c'est une carte énorme à jouer, parce que de toute façon, on est en alternance. On est chez un propriétaire, un patron, quelqu'un qui va un petit peu vous surprendre également, vous construire, et vous apprendre un métier, en même temps aller comme ici au CEPROC, dans les bonnes écoles, pour apprendre des bases de la gestion, de la comptabilité, et apprendre aussi un métier, je dirais, autrement qu'en cuisine ou en pâtisserie. En plus, ça ne s'arrête pas là. Après un CAP, on peut faire une mention, pour continuer, pour faire un bac technique, pour faire un BTS. Donc c'est la carte vraiment pour vous intéressante à jouer. Il n'y a pas de limite. Vous êtes créatif. Il y a un moment de votre vie, vous avez peut-être décidé de faire autre chose, vous pouvez changer, mais vous avez appris un métier. Et n'importe quel métier, s'il est construit, on peut s'en servir pour le marketing plus tard, pour faire d'autres métiers, c'est possible. Il n'y a pas d'honte non plus d'avoir un CAP. Je pense que nous, on est tous très fiers d'avoir un CAP. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir une carrière extraordinaire, moi j'ai le monde entier, et on reste simple et gentil, parce que c'est pas peine de changer. Donc on compte sur vous aussi. On a besoin de bras pour travailler dans notre cuisine et nos charcuteries. Moi, je dirais que l'apprentissage est aussi un virage personnel. Aussi. C'est, moi, par exemple, dans mon histoire, mais évidemment, j'ai un papa qui était traiteur. J'ai été élevé, bien évidemment, j'ai eu la chance d'être élevé dans des goûts, ça c'est sûr, qui sert après dans la culture. Mais moi, je suis allé dans ce métier-là, dans le métier du donner du bonheur par la bouche, parce que c'est un peu ça, on construit le bonheur par la bouche. Le bonheur par les premiers sens de l'être humain. Moi, je suis issu quand même d'un échec scolaire assez impressionnant. Et donc, j'ai pris ce CAP comme étant un vrai virage. C'est-à-dire, à l'âge de 16 ans et demi, je suis parti à pratiquement 150 km chez mes parents. Je me suis retrouvé à Paris, dans une simple chambre de bonne. Je me suis dit, c'est le moment finalement de tourner la page, j'ai bien profité, je me suis bien amusé, j'ai fait pas mal de bêtises, et finalement d'essayer de devenir quelqu'un. Et en même temps de devenir quelqu'un, d'essayer en tout cas de donner du bonheur. Alors ça demande, comme tout, beaucoup de courage. Par contre, je peux vous dire quelque chose, c'est souvent ce que je dis à mes équipes, n'importe qui sur cette planète est capable de réussir. Et je donne souvent l'exemple du Usain Bolt, qui fait 1m96, à qui on a tout fait pour qu'il ne fasse jamais du 100 mètres, parce qu'il était trop grand pour faire du 100 mètres, parce qu'on avait décidé que les plus grands sprinteurs au monde ne feraient jamais plus d'1m70, parce qu'ils étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus explosifs. Et on a tout fait, même en Amérique, pour ne jamais lui faire faire ses 100 mètres, et malgré tout, il a réussi à passer les concours, passer les compétitions dans son propre pays, pour devenir le plus grand sportif de tous les temps, le plus rapide au monde, malgré qu'il soit, comme avaient défini les chercheurs, trop grand pour faire ça. Et puis derrière son côté très baba cool, derrière il y a un professionnel qui était extrêmement rigoureux, qui travaillait énormément. C'est-à-dire pour ça, jouer cool et réussir en étant cool, bah derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Il en a usé des chaussettes et il en a usé des chaussures. Donc, on a tous la possibilité de réussir sa vie. C'est pas une question, c'est juste une question d'investissement et de plaisir, et surtout d'opiniâtreté aussi. Ça sert
et de donner du bonheur. N'oubliez pas, le métier que vous avez choisi, c'est l'essence même de l'être humain, c'est donner du plaisir par le goût, c'est donner du plaisir par le service. C'est quelque chose de très rare, et je peux vous assurer que les métiers qui sont capables de faire de la sculpture, de la chimie, de la biochimie, du modélisme, il y en a très peu. Regardez, il y a très peu de métiers qui sont capables de travailler tous les sens. Le nez, la bouche, le parfum. Ce métier est capable de faire les 6 sens à la fois. Il n'y a aucun autre métier, à part l'alimentaire, qui est capable d'offrir autant de diversité. Il faut tous les talents réunis pour s'amuser. Vous pouvez vous amuser tous les jours. Et tous les jours, c'est un des rares métiers aussi, l'alimentaire, qui vous permet de redémarrer des journées où elles ne se ressembleront jamais. Voilà. Donc, bon courage à vous. Amusez-vous bien. Faites-le avec sincérité. Et mon père disait toujours, fais ce que tu veux, mais fais-le très bien et tu verras, ça sera plus facile demain. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités ? Bonjour, enchanté. Après avoir entendu votre discours, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui, comment dire, malgré une situation qui était assez compliquée concernant d'être plus jeune âge, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette motivation de partir de l'avant avec pas mal de bâtons dans les roues ? Parce que c'est une situation qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire une grosse chute scolaire. Moi-même, encore aujourd'hui, dans mon entourage amical, familial, il y en a beaucoup qui se posent encore des questions demain et qui se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que ça va payer ? Est-ce que... » Il y a beaucoup trop de questions qui s'enchaînent et rares sont ceux qui persévèrent et se disent que je vais aller de l'avant même si c'est dur. Et je voulais savoir justement concernant qu'est-ce qui a fait que vous étiez motivé. Je pense que moi, par exemple, j'ai fait un départ, je suis parti de mon environnement, de mon socle habituel, de mes amis avec qui je me suis bien éclaté. J'ai fait un reset total. Voilà, j'ai fait un reset total et j'ai pris le courage vraiment à demain. Et pourtant, je suis d'une famille où mes parents ont des moyens. Pascal les connaissait bien. Et j'ai jamais voulu de leur aide. Voilà. J'ai voulu moi-même. Voilà. J'ai payé ma chambre de bonne. J'ai payé mon permis de conduire. J'ai payé ma voiture. Et pour autant, je viens d'une famille où mes parents avaient les moyens de tout offrir. Et j'avais juste envie de... J'ai fait reset. Et je me suis dit, finalement, c'est pas ça que je veux. Et c'est vrai que le regard de mes parents était un peu désespéré, a été voilà, voir leur déception dans leur regard, et pour autant, c'est quelque part leur investissement personnel qui m'a construit comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu, leur situation a fait que le travail, qu'ils travaillaient énormément, ont fait que la dérive, elle s'est faite tout seule. J'étais très libre, on ne s'occupait pas forcément de moi, ils étaient très occupés, sur d'autres valeurs, ils s'occupaient de moi. Heureusement, mon père m'a fait travailler au laboratoire pour me punir et ça m'a donné goût à ce métier-là. À 12 ans, j'expliquais j'allais faire la plonge. Il était là-dessus, mais c'est vrai que j'ai voulu faire un reset et je pense, sincèrement, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se nourrir du passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des échecs, on a des situations, on est tous dans des difficultés et il faut absolument, on peut tous y arriver. Moi, quand j'ai pris ma chambre de bonne, j'avais 16 ans et demi, je suis arrivé et je me suis battu, j'ai dû faire 10 agences pendant mes vacances scolaires pour trouver quelqu'un et j'avais mis du pécule de mon côté pour pouvoir arriver et pouvoir mettre 2 mois de loyer en ce 6 mètres carrés, 7 mètres carrés exactement, avec la douche dans un couloir, les toilettes dans un autre couloir, on était 10 dans le même étage qui était sous plafond, en plein été, qui était une canière pas possible et sans pile. Donc, la durabilité, le truc, et on se construit, et je pense que ça me rend plus fort, ça me rend beaucoup plus fort. Le week-end, j'étais obligé de travailler après l'école, le soir à 17h30, j'étais obligé d'être dans un restaurant pour payer mon loyer. Ça m'a payé aussi mon permis de conduire, et j'ai réussi à mettre des véhicules pour acheter ma petite Renault 11 à l'époque. Et à 18 ans et demi, je me suis payé tout seul ma voiture, et j'avais pas besoin d'une grande voiture, j'avais pas besoin d'une voiture. Et l'avenir m'a donné raison, parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que vous allez peut-être travailler un petit peu plus que les autres. Et je donne aussi un autre parallèle, en même temps que ce sportif de haut niveau, mais on a des métiers qui, en termes de savoir, on n'aura pas assez d'une vie pour le maîtriser. Et
dit, vous savez, vous avez, on ne se rend pas compte, mais ce métier-là, mon frère a fait chercheur, a fait conférencier, médecin, il a voulu aussi un peu se débrouiller pour lui-même, malgré les parents qui pouvaient le faire. Il a fait un pré-étudiant. Et il a travaillé, mais après l'école, il a travaillé 6 heures tous les soirs dans son bureau, jusqu'à minuit. Et en fait, les médecins qu'on a, qui nous entourent à l'hôpital, et tout ça, avant de devenir médecin, avant de devenir urgentiste, malgré la difficulté du travail, bah, ils vont à l'école jusqu'à 30 ans, ils bossent, ils font un pré-étudiant souvent pour se payer leurs études. À 95%, ils font un pré-étudiant. Et après, ils ouvrent leur cabinet, et je peux t'assurer que ce métier qu'on fait, il va falloir quand même que vous alliez un peu plus loin. C'est comme disait Freud, c'est à un moment donné, pour maîtriser, il faut un nombre d'heures nécessaires pour pouvoir commencer à maîtriser. Et ça, c'est n'importe quel métier d'artisan. Et on peut avoir un bac plus 10, si on n'est pas courageux, on ne fera rien de ce bac plus 10. Et n'importe quelle chose dans la vie, on ne fera rien si on n'a pas un tout petit peu plus de courage que la moyenne. Pour être un grand footballeur, ce n'est pas une question de talent. C'est juste qu'après chaque entraînement, ils font 2 heures de plus que les autres. Et c'est ce qui fait que ces 2 heures de plus s'accumulent. Et virtuellement, ça ne se compte pas en argent. Par contre, virtuellement, c'est de l'argent que vous mettez sur votre compte en banque, du savoir qui va vous permettre de vous vendre plus tard. Et bizarrement, cet argent que vous n'allez pas voir, elle va se cumuler comme un petit écureuil que plus tard, vous allez pouvoir re-récupérer parce que c'est ce savoir qui va faire que vous allez vivre dignement. Il ne faut pas oublier qu'on a dans nos métiers des salaires qui sont l'équivalent de certains bac plus 6, bac plus 7, assez rapidement et assez jeune. Et dans le monde dans lequel on est en train de vivre actuellement, je vous assure que c'est un métier qui a un avenir absolument incroyable, énorme, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a une vraie, et je pense que vous serez jamais, c'est les métiers où vous serez jamais au chômage. Il y aura toujours du dynamisme. C'est des métiers rares. Et sincèrement, je pense que c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Et vous faites risette, vous oubliez toutes les difficultés que vous avez eues, vous essayez en tout cas au mieux que vous puissiez faire de manière à avancer. Et voilà, on ne se construit pas sur le passé, il faut se construire sur le futur. Il faut se donner des ambitions. Et encore une fois, n'importe quel être humain est capable de réussir. C'est juste une question de volonté. À n'importe quel âge. Et à n'importe quel âge. C'est très. Ouais. C'est complètement. On parlait tout à l'heure, effectivement, ici, on a du coup, ça va de quoi, 14 à. Voilà, je ne sais pas qui est le doyen de votre. 5 et plus, de votre. 40. Voilà. Et bien, continuez, bravo, continuez. Continuez. Et à juste titre, sur la reconversion, un jour, j'ai embauché une fille qui a fait des études et qui a même travaillé sur des plateformes pétrolières. D'un seul coup, elle s'est rendue compte que finalement, c'est le métier qu'elle voulait faire depuis qu'elle était. Parce que ses parents voulaient qu'elle fasse des études de dingue. Parce qu'elle a été. Voilà, mais elle adorait la cuisine, elle adorait faire plaisir aux autres. On l'a un peu forcée à faire ça. Sauf qu'à un moment donné, à force de forcer, à 30 ans, elle a décidé d'arrêter. Et elle a fait une reconversion professionnelle. Et je l'ai eue dans mes débuts, hein, quand j'étais chef à 26 ans. Ça a été, je l'ai pris, elle faisait les sandwichs, elle faisait 8 heures par jour. Et petit à petit, au bout de 3 ans, elle commençait à faire les services du gastro, les services du soir. En début, je l'ai mis sur la carte du snacking de l'hôtel. Voilà. 7 ans après, ça a été mon sous-chef, avec qui j'ai eu 2 étoiles Michelin, Et aujourd'hui, elle gère 750 personnes, 2 hôtels de 350 personnes. Voilà, elle a 48 ans. Et je peux vous assurer que c'est assez exceptionnel comme parcours. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au niveau international, ses rémunérations sont hallucinantes. Et elle a géré son intelligence. Elle est allée au début, elle a travaillé dur. Et sincèrement, c'est une vraie réussite professionnelle, cette fille. Et je peux vous assurer, elle avait des tatouages de partout, toutes les formes qu'on veut. Et en fait, c'est pas ça le problème. Ce qui est incroyable, c'est sa compétence, sa créativité et son abnégation aussi à travailler pour réussir un projet. Elle a fait son projet, elle a donné son rêve, elle a réussi. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Donc, encore une fois, les reconversions professionnelles, c'est extraordinaire et c'est souvent un peu comme les autodidactes. On oublie les autodidactes. Et des fois, les autodidactes dans les professions, c'est souvent elles qui font plus avancer que les non-autodidactes. C'est souvent le cas d'ailleurs. Dans notre métier, ce sont les autodidactes qui ont certainement mis le plus gros coup de pied dans le panier, dans la fourmilière, pour moderniser notre métier. Merci beaucoup.